Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur mon Eka Flip. Je viens de le passer niveau 198. Je voulais le passer 200, faire du colis multi. Quand je dis multi, donc multi-éléments, mais les stuffs sont très très chers. Du coup, j'ai un peu abandonné. Je me suis dit, bon, je vais patienter. Je vais essayer de trouver une autre panoplie au level 199 dans ses alentours. Panneau multi, j'ai eu du mal à trouver. Enfin, fallait mettre de l'oseille aussi. Du coup, j'ai dit, vas-y, tant pis, c'est pas grave. Je vais trouver autre chose. Donc au final j'ai trouvé une panotère. Donc du coup c'est plus axé PVM, mais c'est pas grave. Je me suis dit ça va changer un petit peu et j'ai vu les dégâts, c'est plutôt pas mal. Donc j'en suis plutôt content. Donc il est niveau 198 pour avoir le stuff complet. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai 3840 HP, 1217 en force, mais si je mets le brûlis, je peux avoir 160, donc 40 de plus. Mais la pioche de verre donne 40 dommages critiques. Et j'ai 35, 35 coups critiques, 35%. C'est plus en pourcent, je sais plus. Ouais, si c'est toujours en pourcent. Et après, il y a trèfle en plus qui fait qu'on a 200% de coups critiques. Donc je trouve que c'est un petit peu plus intéressant pour ma part, je trouve. Donc ce qui est au niveau du stuff, donc j'ai casque de Mrs. Freeze. Je peux plus vous dire les prix. Honnêtement, je peux plus vous dire les prix, mais je sais qu'au total, elle a dû coûter un petit peu plus de 20 millions, en comptant d'office et trophées. Un petit peu plus, mais peut-être, ouais, un petit peu plus, ouais, c'est sûr. Capology, donc j'ai pas fait des jets énormes, énormes, mais il reste correct. Je voulais pas être au petit à fond. Si franchement ce panneau-là, je monte niveau 200 et je vais la vendre. Je vais acheter un truc beaucoup mieux et je pense en multi parce que voilà, à la base je joue beaucoup en collision avec ce personnage. Donc ensuite ceinture de brousse. Après ça va, hein, les jets sont pas dégueux non plus. Donc voilà, sabot minable, Kral à mention. Alliance des Mrs. Freeze, Exo, 1% en régie feu, voilà, je l'ai vu, ça fait toujours plaisir. Il était pas trop cher. Avec la force qui convient, après la chance on s'en fout, etc. Les dommages, ils sont parfaits. Le gilet anneau PAPM, alors là vraiment, je suis désolé, j'ai pas trouvé une autre alternative. En fait, il aurait fallu que j'aie un Exo PA sur l'Alliance des Mrs. Freeze et par exemple sur. Bah, j'avais l'anneau du Shenmue de mon ancien stuff, mais bon, c'était dépassé, je crois, c'est 140 anneaux Shenmue, c'était dépassé. Et un ExoPM au niveau d'un autre anneau, donc c'était beaucoup trop cher pour moi. Après, pourquoi pas, peut-être que, bon là, j'ai 10 millions, en vrai, je suis sûr que je rajoute 5 millions, j'ai deux, j'ai un ExoPA, un ExoPM. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça me convient. Donc voilà, Alliance de Mrs. Freeze, je vous ai dit, la Béchasse, où je tape beaucoup avec. Le jet est correct, ouais c'est correct, moins 6% critique, ça c'est le bémol. Mais je savais pas trop quoi mettre à la place de la Béchasse, mais sinon elle est pas mal, surtout les dégâts sont intéressants. Le bouclier taverne, j'avais hésité avec cadran d'air il me semble, mais j'ai laissé ça, c'est mon ancien boubou. Donc 5% critique, en fait ouais je perdais les 5% critiques, ça me faisait chier. Et j'avais 25 puissances que j'avais plus, il me semble. Bon, bref, donc là c'est plutôt correct. La pioute verte, je vous ai déjà expliqué. Le tutu, le pourpre, vigoureux majeur, 80 puissances. Donc bonus de panoplie inférieur à 2, ça c'est obligé. J'aurais pu mettre du volcan. Non, le volcan c'est 200. Non, je dis des conneries, en plus ça coûte cher. L'enragé majeur, le furibond majeur, j'aurais pu mettre. Ah, je sais plus comment ça. Furibond, je sais plus c'est lequel, mais ça retire 200 vitalité. Et j'étais pas fan, même si ça rajoutait 100 force, donc 40 en plus, j'étais pas fan pour la vitalité. Et le petit remueur. Donc voilà, donc je suis en 11-6 sur un Eka Flip, c'est classique, c'est le mieux. Et donc maintenant, on va passer aux dégâts. Hop. Donc en Coliseum, en multi, quand j'étais level 180, enfin, ouais, mon stuff il était au niveau 180 environ. Moi j'y ai beaucoup en colis, mais pas que, j'ai fait beaucoup de dimensions. Mais en tout cas, attendez, là je vais peut-être plutôt faire trèfle, je l'aurais dû faire dès le début, j'ai fait de la merde, tant pis. Hop, voilà, ce boost.
Qu'est-ce que j'allais dire? J'aurais dû. J'aurais dû plus faire en Coliseum du multi, mais comme je comptais prendre une panneau de sang et j'ai un peu la flemme de monter, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, là, ça va, ça reste intéressant. Je vais passer mes tours. Me reboost encore une fois, trèfle, hop, coup de la fortune. Je vais faire à fond. Là, normalement, on passe à 1500, 1517, plus la puissance. Ah, ouais, la puissance, je vous ai pas montré, je crois. Je suis à 254 puissance, c'est bien, c'est correct. Est-ce que ça proc? Ouais, toujours. Toujours. Tromperie. Est-ce qu'on a de la chance? On n'a pas de chance. Hop, hop. Donc là, on est déjà un peu plus de 3000 dégâts, c'est correct. Donc je vous disais, en Coliseum, j'étais à. Ah ouais, je l'ai déjà utilisé, ok. J'étais à les 75% de chance de win. Là, maintenant, je suis à entre 50 et 60, sachant que mes résis sont plus trop adéquates. Je vais vous montrer. Résistant, j'ai 0 neutre, 10 en terre, 18 en feu, 19 en eau et 30 en air. J'avais beaucoup en air, je voulais équilibrer, mais j'ai pas trop trouvé au niveau du stuff. Donc bon, après, ça va, c'est pas trop dégueulasse non plus, mais j'oublie toujours de faire trèfle, c'est un truc de ouf. Mais du coup, j'ai acheté pour compléter un petit peu, si je fais un peu de Coliseum, 12% résiter. Je le mets à la place du furibond, mais voilà. C'est pas négligeable, 12%. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ok. Et après, je vais vous montrer griffe joueuse si je fais pas de CC. Voilà. Ça, c'est quand le mec il est derrière un bush, enfin un mur, etc. Et c'est plutôt pas mal. Il me semble que, ouais, pour tromperie, à chaque fois, faut rattaquer pour que ça change de. Attendez, je vais essayer. Ouais, effectivement, à chaque fois, faut retaper. Et là, normalement, je passe en terre. Si je dis pas de bêtises. Non, pas encore. Ok. Ok. Ok, d'accord. Voilà, vous voyez là les dégâts? C'est énorme. C'est énorme. Hop. Donc ça fait sur le même tour 500, 1700, on est à 3500, on est à 3500, c'est énorme, c'est bien, franchement c'est bien. Pour un stuff à environ 20 millions, c'est correct. Après, bon voilà, ça je vous passe les détails. Initiative, avant quand j'avais mon stuff multi, je tombais toujours first, maintenant c'est moins le cas, ça arrive encore, mais c'est un peu plus chiant, c'est vrai. Donc 3840 vita, comme je vous le disais. Le stuff, vous l'avez vu, après on peut alterner avec un brûlis. Un brûlis, c'est moins cher. Hein. En vrai, le brûlis, moi je l'ai eu à 200 000 kama. La pioche, je l'ai eu à 3,5 millions. Donc, en vrai, le brûlis, c'est moins cher. Après, bon, moi, voilà, j'aime bien quand mon perso est stylé. Voilà, j'ai cramé de l'argent, mais en vrai, c'est viable. C'est carrément viable. Après, au niveau des sorts, bah, je joue face ou pile. Après, voilà, c'est une chance sur deux. Soit je fais. Effet critique, donc ça me booste. Après, pile ou face, j'ai pas trop joué, mais ça peut être bien aussi. Bondu félin, chance d'éca flip, toujours chance d'éca flip, je préfère. Après, au ben, c'est bien aussi, mais je sais pas, c'est différent, ça on s'en fiche. Perception, rugissement, je joue plus perception, mais ça m'arrive de jouer rugissement. Mais après, quand t'es en galère, bah après, ça dépend du perso que tu tombes en face. Hein. Là, je parle PVP alors que je devrais pas parce que. C'est plus un stuff vraiment basé sur le PVM. Mais bon, voilà. Caresse invocatrice, toujours. Je préfère agriffe invocatrice. Ça soigne aller du 350-400. C'est beaucoup par rapport à ma vitalité. Donc je crois que c'est un pourcentage qui soigne, il me semble. Ouais, c'est ça. Corollaire, c'est bien, mais je joue plus contre-coup. Lapement normal, ça retire des PM. Ça fait gagner un PM, comme la portée de l'engrappeuse. En multi, ouais, je jouais l'encre râpeuse, esprit félin normal, roue de la fortune, odorat. Odorat, c'est surtout pour rush les mecs au cac. Trèfle normal,
Et Griffe joueuse de mes aventures, bah, c'est plus au cac, mais ouais, je sais pas, je préfère Griffe joueuse. Comme ça, s'il y a un mec derrière le mur, comme je disais tout à l'heure, et Tromperie, et Destin Decaflip, et Audace, ça sera pas maintenant. En tout cas, Destin Decaflip sortir 4 PM jusqu'à 4 PM, donc c'est énorme. Donc voilà, je vais vous mettre le lien après du stuff. Donc voilà le stuff. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là du tout. Ça, c'est mon prochain stuff. C'est celui-là. Donc voilà. Donc ouais, j'aurais dû être 1340. Donc ça va, le stuff il est correct. En étant pare-shoté, bien évidemment, je suis pare-chaud partout, hein, il me semble. 100, 100, 100, 100. Ouais. Donc voilà. L'hérésie, etc. On est, ouais, 3, 38%, c'est beaucoup, je le sais, mais voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc ce stuff, hein, il est niveau, ouais, c'est 198. Donc c'est bien pour aller jusqu'au niveau 200 et pour surtout en PVM, il doit être vraiment fort. J'ai pas encore commencé à jouer parce que je joue beaucoup plus sur Illysael en ce moment avec des potes. Ça fait plaisir, Illysael, ça fait plaisir clairement. Ça retrouve le Dofus d'avant, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs. Là, je suis sur Julith et franchement, il y a beaucoup de joueurs sur Illysael, ça fait plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lâchez un petit like, un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Je viens de reprendre YouTube avant, je faisais beaucoup de vidéos aussi, mais là, ça fait plaisir. Voilà. Allez, salut les gars!